Et la création magnifique de l'œil a fait taire les darwinistes. Et une personne qui regarde autour de lui, l'image qui vient dans ses yeux, donc vient de manière renversée, transmise au cerveau, l'œil, le cerveau, donc redresse cette image. Et à la fin, donc de cela, suite à cela, l'être humain voit une image magnifique. Un tel système, donc, qui ne peut pas se former avec l'union des atomes inconscients et les atomes qui ne savent pas voir, et sous l'effet des aléas, en s'unissant de manière inconscieuse, et ne peuvent pas donner donc une vision, donc. Qu'une caméra ne peut pas faire ce système donc de visuel, et les atomes qui ne savent pas entendre ne peuvent pas faire donc un bruit, un son meilleur que le meilleur appareil technique, et ne peuvent pas produire cela suite à des aléas. Les atomes qui ne savent pas sentir le parfum, et donc sentir la rose, ne peuvent pas former cela avec les hasards. La chaleur, le froid, le sentiment de dureté, les atomes ne peuvent pas le faire. Et les atomes qui sont inconscients et ne sont même pas au courant de leur propre existence, les différentes saveurs donc des nourritures, le plaisir de la musique, celui qui s'en ressent, qui pense, se fait des plans et qui se rappelle d'une chose, qui sourit, qui s'amuse et qui prend plaisir des environnements doux, et même qui étudie donc les atomes et se transforme en homme scientifique ne peut pas le faire. Et expliquer cela avec les aléas, le hasard de la théorie des c'est impossible. Et ce que ce soit avec ses particules magnifiques et avec sa complexité magnifique et c'est un de ses organes donc, qui a validé la théorie des c'est l'œil. L'être humain est formé de 40 différentes organelles et pour qu'elles puissent fonctionner, toutes ces parties doivent être unies ensemble. Et la cornée, qui la conjonctivite, l'iris, la pupille, la rétine, les muscles des yeux, donc les paupières, tous en même temps, donc doivent fonctionner en harmonie. Et chacun d'eux a une fonction spéciale, mais tous travaillent liés les uns aux autres. Par conséquent, donc, quand il y a une défaillance de l'un des deux, l'œil ne peut plus voir. Cette situation, donc ce qu'il prétend, donc les phases, donc qui se formaient par phase, donc c'est tout à fait contraire à cela. Les darwinistes doivent expliquer donc les particularités miraculeuses de l'œil. Or, donc la théorie de l'évolution n'a pas expliqué donc la création de l'œil. Et par conséquent, donc, que cela se forme par des stades imaginaires, c'est impossible. La théorie d'évolution, un des centaines de sujets qui n'arrive pas à expliquer, quelques-uns sont ceux-ci. L'intellect, la conscience, les cellules qui ne possèdent pas l'intellect, la conscience, et donc le fait qu'ils se donnent donc la décision de former l'œil, c'est impossible. L'œil, pour commenter, donc transforme l'image en signal électrique et le transmet au cerveau. Et le fait qu'il décide par hasard de transmettre cela au cerveau, c'est impossible. Et ce qui est transmis donc de l'œil au cerveau, c'est un courant électrique. Et donc et dans les quatre autres sens également sont conduits donc en signal électrique, et à chaque fois donc ça transforme en image magnifique. Ce n'est pas possible d'expliquer cela avec un mécanisme évolutionnaire imaginaire. Et dans des différents yeux, deux images viennent, et celle-ci, en s'unissant avec un mix parfait, devient une seule image. Et cette situation, la vision qui vient, l'image qui vient à la Terre dans le cerveau d'abord est renversée et suite à différentes opérations dans le système centre visuel est redressée, et cette structure qui est formée de graisse et de protéines va d'abord donc percevoir à l'envers l'image et ensuite va la transformer. Le fait qu'elle ait une telle aptitude, certes ce n'est pas possible, et qu'une telle particularité vienne au hasard, c'est impossible. Et dans le visage,
en couleur qu'on a en face de nous, qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de rupture d'image, et que l'image soit constamment nette et en harmonie. Et il est clair que l'œil a été créé donc de manière, est un organe miraculeux qui a été créé. Et les cellules du cœur, des yeux, le fait qu'ils ne mélangent pas les couleurs et que l'arrière-plan donc il le qu'aperçoit de manière parfaite. Et la personne en face de vous, quand elle parle de vous, l'image que vous voyez, le son que vous entendez sont tout à fait dans une harmonie. Ni l'image avant le son, ni le son avant l'image, donc vous le percevez avec des retards d'image. Ah, donc l'image et le son viennent de différents organes. Et dans cette harmonie, l'existence d'une chose extraordinaire est là. Donc ceux qui voient sont les cellules, ceux qui transmettent sont les cellules, et ceux qui perçoivent l'image, ce sont encore les cellules. L'environnement se trouve les cellules, c'est-à-dire l'intérieur de la boîte crânienne est toute sombre, et dans une boîte toute sombre, et une image en toute couleur, le fait qu'il se forme par hasard, ce n'est pas possible. Aucune caméra, aucun appareil photo, aucune télévision, et l'image que l'œil forme ne peut former de pareil et ne peut pas faire la perfection de l'image. Et avec la technologie du 21e siècle, ceci ne peut pas être imité. C'est clair que c'est une création d'Allah. Et celui qui commente, celui qui perçoit, celui qui se rappelle des images, le fait que cela soit donc les cellules de graisse ou de lipides, c'est impossible. Et le fait qu'un être humain puisse posséder la manière de commenter, de penser, cela montre qu'il possède un esprit. Et expliquer l'esprit avec le hasard, c'est impossible. Et certes, aucune cellule ne peut faire donc des choses par elle-même. Et les cellules qui appartiennent au cœur, aux yeux, qui se comportent de manière consciencieuse, et ce sont des manifestations d'Allah le Très-Haut, et elles sont inspirées par lui. Et l'œil est une des preuves de la création qui fait effondrer la théorie de l'évolution. Et comme le prétend la théorie de l'évolution, avec soi-disant de petites choses qui savent. Donc, et enfin, Charles Darwin, dans son livre L'origine des espèces, dans les difficultés de la théorie concernant l'œil, il a fait cet aveu. Et les corps à différentes distances, donc il les focalise de manière magnifique, et un organe comme l'œil, et que la se prétende qu'elle vienne avec des sélections naturelles, je l'avoue que donc au plus haut degré, c'est perdre la tête. Et Darwin, donc la conclusion qu'il prend, penser à l'œil, donc cela à plusieurs reprises refroidit ma théorie. Et Charles Darwin, ses paroles donc citées. Aujourd'hui, donc, pour comprendre que la théorie de l'évolution s'est effondrée, c'est important. Et si il y avait des petits changements et qu'on montre qu'informer un organe complexe, c'est impossible, ma théorie sera certainement effondrée. Aujourd'hui, l'organe de l'œil qui a une structure complexe et donc que c'est impossible qu'elle suive les évolutions et donc la théorie de l'évolution a complètement effondré.